Bonjour, ceci est la dernière vidéo de l'année 2019 de cette chaîne dans laquelle nous allons parler, dans laquelle je vais parler surtout, de ce qui arrivera en 2020. A savoir que je découpe ça en deux parties, ce qui est sûr et certain d'arriver en 2020 et ce qui est possible d'arriver. On va commencer avec ce qui est sûr et certain. Je l'ai dit à la fin de la dernière vidéo sur le récapitulatif 2019, la première vidéo de l'année, sûr et certain, sera donc l'avis subjectif sur JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable chapitre 1. Sur donc un film JoJo qui, de ce que j'ai vu, n'a pas été parlé sur YouTube français. C'est dommage, alors que je pensais que les youtubeurs manga en avaient au moins parlé un peu, hors trailer évidemment. Mais finalement non, du coup, assez fier d'être le premier. Vous inquiétez pas, il y aura peut-être le lien du film quelque part dans la vidéo. Ce qui est sûr et certain d'arriver aussi, c'est le rétro. Le rétro sur le Ring 1 et 2, parce qu'il y en a deux. Le Ring 1, vous voyez, si vous avez vu le let's play rapide dessus, vous savez à quoi vous attendre et de quoi je pourrais parler. Le Ring 2, gardez-vous la surprise, vraiment, parce que de ce que j'ai pu en tester un tout petit peu, il y a des petites choses à dire et c'est pas ouf. Mais peut-être que je me trompe, tout cela sera dit en vidéo lorsqu'il sortira un rétro sur le Ring 1 et 2. Il y aura la fin, sûr et certain, de Apollo Justice et Ace Attorney. À l'heure actuelle, il doit me rester pas grand chose, je pense environ 5-6 vidéos à tourner et le jeu est fini. Et de ce que je peux en dire, c'est que le jeu est plutôt pas mal. L'affaire 4 et sans doute celle qui est sympathique, et toute l'histoire autour de Phoenix Wright et de son erreur au tribunal, de sa falsification, est vraiment un des fils rouges les plus sympathiques et les plus cool que des Ace Attorney, même si pour moi Trials and Tribulations reste le meilleur des Ace Attorney pour le moment. Et bien sûr la suite de Breath of Fire 2. J'ai fait une estimation en me basant sur mon parcours et sur une solution trouvée sur YouTube. J'estime qu'il me faudrait encore environ entre 30 et 35 heures pour finir le jeu, en comptant les phases de farm. Donc pour vous, ça fera, je pense, peut-être, allez, on va dire moins de 25 heures en condensé. Ça va être un petit peu long, du coup, je continuerai à un rythme plus calme. Et quand j'aurai l'envie. Mais il y aura du Breath of Fire 2. Et après Breath of Fire 2, peut-être que je ferai Breath of Fire 3 qui sera sur PlayStation, qui a priori est beaucoup mieux et le meilleur des Breath of Fire pour certains à voir. Maintenant, dans ce qui est possible d'arriver, attention, possible d'arriver, le récap 2020 de la ChemoCon, donc la ChemoCon 5, qui sera en tant que visiteur cette fois-ci. Je l'ai dit pourquoi juste dans la vidéo récap 2019. Il y aura peut-être un récap de la Camouplay 2020. Ça, je ne sais pas encore ce que ça a donné. Ça a été annoncé il y a quelques temps maintenant. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Possiblement, il y aura un autre Raylus CD sur un jeu. Je l'ai déjà, mais il me reste à tout faire de A à Z en ce qui concerne la fabrication. Donc la jaquette, l'autorun et le CD. Je pense que ça peut se faire, mais je ne pense que ce sera pas pour le moment. Peut-être d'ici fin premier, début deuxième semestre de 2020. À voir. Et par rapport au real time sur les trouvailles CD, vous l'avez vu, il n'y en a pas eu cette fin d'année et ça m'a fait prendre une décision. Il n'y en aura que 3 par an sur ce thème. Donc ce n'est pas très long. Il y a un moment où j'en faisais quasiment un tous les 2-3 mois, tellement je trouvais de choses. Mais maintenant, j'ai épuisé tout ce que je pouvais trouver dans la région. Parce que je me suis rendu compte que le type de jeu est différent par région. Parce que là, tout ce que je joue en ce moment, c'est tout ce que j'ai déjà vu qui ne m'intéresse pas, ou tout ce que je connais ou déjà joué ou que je possède déjà. Mais voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'il y en aura moins, je ne sais pas encore. Et peut-être aussi qu'il n'y aura pas de real time sur les jeux terminés en 2020,
car le nombre de jeux qui tournent actuellement sur Windows 10 et avec mon PC actuel qui n'est pas très puissant commence à se faire très très rare. Donc l'année prochaine, s'il n'y a pas de Red Theme sur ce thème, eh bien ne vous étonnez pas, je l'annoncerai que de toute façon à la fin de l'année. Et peut-être qu'en décembre 2020, je ferai un calendrier de l'Avent. Mais j'ai lancé l'idée comme ça, un calendrier de l'Avent pas super constructif, pas super intéressant, où il y aura que des banalités dedans. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que pour moi, le principe de calendrier de l'Avent, donc le mois de décembre, vous le savez, c'est le moment où YouTube a plus d'argent, x10 la monétisation, quand vous avez la monétisation, ce qui n'est pas mon cas. Mais, à part faire des vlogmas qui ne veut rien dire, parce que c'est juste vlog avec marqué Xmas, c'est débile, je dis ce que je pense, si tu n'es pas d'accord, mets-le en commentaire constructif, ça n'est que mon avis, rappelle-toi Jean-Michel Christmas. Et ceux qui font les calendriers de l'avance, en général, s'y prennent plusieurs mois à l'avance, et il y en a qui le font très bien sur des trucs très intéressants, ou plutôt sympathiques, ça dépend. Mais moi, je me suis dit, prenons l'inverse, faisons quelque chose d'extrêmement stupide. Donc, par exemple, j'avais évoqué quelques idées que j'avais marquées, et dont j'avais parlé avec plusieurs personnes, qui se reconnaîtront d'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Genre faire un tuto cuisine sur comment faire des pâtes, un tuto cuisine sur comment faire une omelette, un tuto sur comment dessiner sur un dessin préfait avec juste des... Vous savez, les numéros avec un numéro, une couleur, ce genre de choses stupides. Je pense que vous voyez, juste avec ces quelques exemples où je vais en venir, faire des trucs très simples, très bêtes, mais pourtant je suis certain qu'il y aura des personnes qui regarderont. C'est stupide, mais moi c'est une idée qui me tente bien. Ou alors... le concept américain, parce que le calendrier de l'Avent, c'est un peu tout le monde, mais il y a un concept américain qui est 12 Days of Christmas, donc les 12 jours de Noël, où ça concernerait plus les 12 jours avant Noël, où il y aurait un jour une vidéo. C'est beaucoup plus simple, je ne le cache pas. Et pour moi, les deux seules personnes que j'ai vu le faire, c'était l'année dernière, le Angry Video Game Nerd, avec 12 Days of Shit Mass et une autre chaîne, c'est une chaîne québécoise ou canadienne, je ne sais plus, qui fait 12 Days of Crap Mass. Et comme ça, on va pas que les jeux vidéo, et bah que c'est un petit peu ce que je fais, je ne sais pas. Je réfléchis actuellement, ça se trouve, il n'y en aura pas. Donc tout ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes et pas au sérieux. Voilà, cette petite vidéo est terminée sur ce qui arrivera en 2020 et c'est la dernière vidéo de la chaîne de l'année 2019. J'espère que vous avez passé une bonne année. J'en profite pour remercier toutes les personnes, comme d'habitude, qui ont pris le temps de regarder, qui se sont abonnées, qui ont pris le temps de liker, de commenter, de partager, de me suivre sur Twitter. Merci à vous, même aux personnes de l'ombre. Merci à Fiercel qui a prêté sa voix pour une vidéo. Merci à la Alison Fandub, Alison Fansub, je ne me trompe pas, sans qui l'avis subjectif sur Fatal Frame n'aurait sans doute jamais sorti. Merci à eux, je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, les dernières vidéos. Merci à tous. De bonnes fêtes de fin d'année. Et à l'année prochaine pour d'autres vidéos.